Petit loup devient grand frère. Ces temps-ci, maman est fatiguée. Petit loup s'inquiète. Maman, pourquoi tu ne veux plus me porter? Pourquoi tu dors tout le temps? Maman prend Petit Loup sur ses genoux et lui murmure « C'est parce que j'ai un secret. Papa et moi, on va avoir un bébé. » Petit Loup est très surpris. « Mais il est où, le bébé ?» demande-t-il. Ah oui, si vous savez pas, ça veut dire quoi? Murmurer, ici, ça veut dire chuchoter. On reprend. Maman explique. Bébé est là, bien au chaud dans mon ventre. Il grandit, il se prépare à venir. Petit loup réfléchit. Je n'ai pas envie d'un bébé, dit-il. Je préfère qu'on reste tous les trois, toi, moi et papa. Dans son bain, Petit Loup pense au secret. Il n'est pas très content, ce bébé. Il va prendre beaucoup de temps à papa, à maman. Et lui, est-ce qu'on l'aimera comme avant? Plouf! Petit loup envoie de la mousse partout et tiens, bien fait. Maman prend Petit Loup dans ses bras. Ne t'inquiète pas. Quand le bébé sera là, papa et moi, on t'aimera toujours autant. Et puis le bébé sera tout petit, ajoute papa. Il aura besoin de son grand frère près de lui. Petit loup sourit. Il n'avait pas pensé à ça. Le ventre de maman grossit de jour en jour. Il devient énorme. Tu es une maman éléphant, rit Petit loup. La tête sur son ventre. Il sent le bébé bouger. Maintenant, il a hâte de le rencontrer. Quel énorme ventre! Un après-midi, enfin, papa vient chercher Petit Loup à l'école. Le bébé est arrivé, annonce papa. Petit loup est fier, comme un roi, tout excité aussi. Il se demande à quoi ressemble le bébé. Maternité. Voilà, il y a beaucoup de lectures. À la maternité, maman sourit dans le lit blanc. Dans le bureau, juste à côté, il y a bébé. C'est ta petite sœur,
dit papa. Tu peux la prendre contre toi. Qu'elle est petite. Petit loup, non, reviens pas. C'est une coquine, ça se voit, dit Petit loup. On va bien s'amuser, elle et moi. Petit loup, rentre à l'école, ça sera dans une autre petite vidéo. Bye!